Je voudrais juste remercier Cécile Bosch, je ne sais pas si elle est encore là, mais vraiment merci d'avoir parlé de moi, d'avoir parlé de nous aussi bien. Ça fait tellement de bien. Donc je confirme aussi que le non, pas d'adaptation, je ne veux pas, je ne veux rien entendre, je ne veux plus, c'est transitoire. Donc, je suis passée par là, mais c'est fini. C'est comme les enfants, c'est les 3 ans, quoi. C'est non à tout. T'aimes le chocolat? Non. Tu veux des fraises? Non. Ben, je veux le cinéma? Non. Voilà. Bon, c'est transitoire. Donc j'ai revécu mes 3 ans. Donc voilà. Je confirme aussi que j'ai connu l'escalade très accélérée des pépins de santé. Donc ça aussi, c'est un trait commun. Hein, je peux attester. Ça a commencé par l'entorse, ça a continué par un cancer, très mauvais, beaucoup de traitements lourds, tout ça, pour essayer de comprendre que finalement le corps essayait de me dire plein de choses que je n'avais pas entendues. Ça s'est enchaîné par un licenciement, un prud'homme, un burn-out et le dépistage HPI, tout ça dans des temps extrêmement raccourcis. Donc ça c'est juste pour vous dire un peu d'où je viens. Donc ça fait une petite transition, tout ça pour dire aussi que le burn-out c'est une merveilleuse occasion de rebondir sur d'autres choses, de revisiter soi et les valeurs qu'on a dans le travail, ce qu'on veut y mettre, ne pas y mettre, et repartir sur un autre pied, peut-être différemment, peut-être pareil, parce que si c'est son choix, pourquoi pas. Mais après le burn-out revient le temps de la reprise du travail, si c'était juste une parenthèse dans un travail qu'on avait, ou la recherche d'un travail, donc être chercheur d'emploi, plutôt que demandeur d'emploi. Moi, je préfère chercheur d'emploi, parce que demandeur, c'est un peu... J'ai pas d'argent, pas d'amour, pas de travail. Donc, je préfère être chercheuse d'emploi que demandeuse d'emploi. Donc, ça revient ce ton-là. Et pour tout le monde, c'est un parcours du combattant. Et je pense que pour les HPI, c'est encore plus un parcours du combattant parce qu'il faut apprendre à s'adapter, il faut arriver à comprendre un certain nombre de choses et surtout à accepter, à comprendre les codes, les formatages du milieu de laquelle on se dirige, trouver un emploi. Donc la thématique, la problématique aujourd'hui, c'est quand on est HPI, pour tout le monde c'est difficile, et quand on est HPI, c'est comment arriver à être recruté. Une fois qu'on est recruté, comment manager un HPI si vous en avez un dans vos équipes, vous manager. Si vous êtes recruteur, cabinet de recrutement, c'est est-ce que je prends le risque, je ne comprends pas trop comment il fonctionne, je le recrute, je ne le recrute pas. Et puis après, une fois que vous êtes dans l'entreprise, comment l'intégrer, voir qu'il évolue, qu'il s'épanouisse, que tout se passe bien pour l'entreprise en tous les cas. L'entreprise ou la structure, quelle qu'elle soit, pas forcément entreprise, privée ou publique. Voilà. Donc ça, c'était un peu... c'était ça l'objectif de cette table ronde. Alors, pour discuter, contrairement à la table ronde précédente, ça a fonctionné différemment. On s'est tous vu ces quelques 6 derniers mois, assez régulièrement pour la préparer. On n'est pas tous sensibilisés... On n'est pas tous sensibilisés à la question des HPI comme les intervenants de la table ronde précédente. Donc on a eu un petit groupe de travail qui est composé, donc on va présenter, d'habitude on présente les femmes en premier, là comme on a un seul homme, on va en profiter. Donc Eric Gardis qui est ici, qui nous a accompagnés, donc qui accompagne des cadres en recherche d'emploi, on peut dire qu'il fait notre job, donc qui se présentera tout à l'heure, et qui aussi travaille dans le recrutement. Dominique Prieur qui gère les compétences et la mobilité et gestion des compétences et de l'emploi et de la mobilité dans le cadre d'une structure publique importante. Gaude Leroux qui est conseillère à l'emploi et Émilie Rivet qui est aussi et qui travaille dans un cabinet de recrutement mais qui fait du recrutement. Ils le diront par leur histoire familiale, professionnelle ou personnelle, ils sont ou pas sensibilisés, ils n'étaient pas dans le cadre de la préparation de cette table ronde aux questions des HPI. Donc ça a été très intéressant les 6 mois. Donc nous on se tutoie parce que ça fait quand même longtemps qu'on se pratique, donc on ne va pas se voir juste pour faire comme si. Donc ça fait bien moins de 6 mois qu'on travaille ensemble. Donc là, une des premières questions, je vais la poser à Eric, en fait. On a décidé, quand on s'est rencontrés, on a vu que finalement, le domaine des HPI n'était pas très connu parmi les recruteurs et les DRH.
puis on a souhaité, Eric a dit, mais moi je peux interroger mon fichier, parce qu'il est, il vous le dira, mais il est animateur de l'AIDRH, donc une association des DRH. Il dit, moi je vais leur envoyer un questionnaire auprès de DRH et de recruteurs, voir s'ils connaissent la question des HPI et s'ils ont déjà été sensibilisés. Donc Eric va nous faire part des retours de ce questionnaire et puis dire qui il est. Bonjour à tous, donc je suis Eric Gardy, j'ai 54 ans, j'ai travaillé 17 ans dans le recrutement et puis depuis 9 ans j'accompagne des cadres, c'est plutôt ma spécialité, dans la recherche d'emploi, donc je suis passé de l'autre côté. Donc quand on m'a sollicité pour la table ronde, d'abord j'ai cru que c'était une blague, on m'a dit qu'il faudrait que tu interviennes sur le sujet des hauts potentiels intellectuels. Et j'ai eu l'impression d'être invité à un dîner de cons, c'est-à-dire d'être le con la journée, et c'était pas très 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 agréable. Bon, ça va mieux maintenant. Mais sur le coup, je me suis dit, ça y est, ils vont me demander si je fais des formes avec des allumettes, et ils vont tous se marrer dans la salle, donc j'étais un petit peu gêné. Et puis donc, c'est vrai qu'on a travaillé en amont de cette rencontre, et moi, avant de vous parler des résultats de l'enquête que j'ai envoyé par internet, en fait j'ai été très étonné de découvrir que je ne connaissais pas les hauts potentiels intellectuels. Alors j'avais fait 17 ans de recrutement, que je côtoyais des RH à longueur de journée, c'est vraiment mon métier, ça fait 25 ans, 26 ans je suis dans les ressources humaines, et j'en ai jamais entendu parler avant la table ronde. Alors, dans l'entreprise, on parle des hauts potentiels, en fait une marge de la population des cadres, peut-être 10%, à qui on fournit beaucoup de formations, donne beaucoup de promotions, fait beaucoup de choses, et, mais des HPI, jamais. Alors, sans doute qu'on en parle, moi je n'avais pas entendu, mais donc j'ai fait cette enquête, cette petite enquête, c'était 4 questions que j'ai envoyées donc, aux membres d'une association qui s'appelle la NDRH, Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines. Et puis, je l'ai envoyé aussi à 285 recruteurs en cabinet de recrutement. Et les questions étaient toutes simples. Est-ce que vous connaissez les HPI ? Est-ce que ça vous arrive d'avoir affaire, soit dans le processus de recrutement, soit dans l'intégration avec les HPI ? Alors, par internet, on est très sollicité quand on est cabinet de recrutement ou DRH, donc c'est pas une étude puissante, c'est juste peut-être 2-3 reflets enfin, qui ont surgi. Alors la première chose, c'est sur 185 DRH ou cadres de la fonction RH, j'ai eu 4 réponses. Alors, en même temps, on est sollicité tout le temps, donc c'est pas trop choquant, mais c'est moins que ce que je vois en fait dans les enquêtes quand on discute. Et les 4 personnes qui m'ont répondu, ils m'ont dit « je ne connais pas, je n'ai pas affaire, enfin, on ne s'en occupe pas spécialement voilà. ». Donc, ce qui est révélateur, c'est que s'il y a eu aussi peu de réponses, c'est que c'est un sujet qui n'intéresse pas, c'est pour la priorité, il y a d'autres choses à faire. Alors, je ne suis pas en train de porter un jugement, hein, c'est juste un reflet de ce qui s'est passé. Et puis, donc, dans les cabinets de recrutement, ben, il y a eu sur 286 recruteurs en cabinet, 6 réponses, donc c'était déjà mieux. Sur ces 6 réponses, en fait, il y a 3 cabinets qui m'ont dit on n'a pas à faire. Ça, on ne rencontre pas ce genre de situation. On n'est pas sollicité par les entreprises ou on n'en parle pas avec nos clients entreprises. Et puis, il y a 3 cabinets qui ont bougé, notamment Émilie, qui est tout à fait à droite, qui a dit oui, sujet, c'est un sujet qui m'intéresse. S'il y a possibilité de continuer à avancer. Voilà, donc on l'a associée à la table ronde en cours de route, parce qu'elle a vraiment répondu favorablement, donc elle en parlera directement. Et puis 2 autres cabinets qui ont dit, ben voilà, nous ça peut nous arriver. Il y a une méconnaissance sur le sujet, mais globalement, ça nous est arrivé de travailler en amont avec l'entreprise sur est-ce qu'on recrute un HPI, et comment... Enfin, il y avait une sensibilisation en fait de l'entreprise et du cabinet de recrutement, donc... Cette étude, donc en synthèse, elle permet de confirmer ce que je vous dis. Moi, ça fait 26 ans dans les RH et j'en entends jamais parler. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui de faire ce que vous êtes en train de faire et de participer à ça. Voilà, je vais laisser la parole au suivant. Comme
même, Eric, vous pourriez peut-être nous dire si après les 6 mois qu'on a passés ensemble, quelle est votre appréhension aujourd'hui, quelle est ton appréhension des HPI? Parce que dans le cadre de ton travail tous les jours, d'accompagner des cadres en recherche d'emploi, donc parmi ceux-là, il y a peut-être des HPI qui va repérer, ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas, quelle est dans le cadre de ton travail d'accompagnement, est-ce que la connaissance que tu as eue maintenant, tu n'as plus l'impression d'être invité à un dîner de con, quoi, voilà, globalement. Bon, alors, je ne fais pas d'allumettes, hein, donc... Bon, vous m'entendez quand même? Je suis obligé de plus me pencher, du coup. Donc, on continue sur le sujet. J'ai l'impression, aujourd'hui, d'être sensibilisé au sujet. Hein. C'est un peu comme quand vous achetez... allez, on va prendre un exemple. Une voiture... une DS, ça fait un vieil exemple. Vous achetez une DS bleue. Et à partir du moment où vous avez acheté une DS bleue, vous en voyez partout autour de vous. Alors c'est un très mauvais exemple, c'est qu'il n'y en a plus. Mais à partir du moment où on commence à parler du sujet HPI, j'ai commencé à m'apercevoir que finalement il y avait des articles à droite et à gauche. Il pouvait y avoir des réflexions. Donc je ne voudrais pas passer à la conclusion que j'ai prévue pour tout à l'heure. Mais être sensibilisé au sujet fait qu'on accueille peut-être différemment ce qui se passe dans les situations. Et donc, dans les groupes de cadres, j'accompagne 3 groupes de cadres de 25 personnes. Il y a une personne qui est déclarée HPI, et puis une autre, je suis à peu près sûr qu'elle l'est, et ça m'aide à mieux comprendre les réactions. Une des réactions, par exemple, qui peut me gêner, moi, en tant qu'animateur, c'est que ces personnes sont très, très questionnantes, toujours en mouvement intellectuellement et parfois ne laissant pas assez la place aux autres, donc il n'y a pas une répartition de la parole au même rythme, parce que ça fuse en fait sans arrêt, il y a tout le temps quelque chose à dire, tout le temps quelque chose à questionner, donc les questions sont super intéressantes en règle générale, mais moi en tant qu'animateur j'aimerais bien que tout le monde puisse participer, chacun puisse avoir sa place. Mais si je n'avais pas rencontré le groupe et la table ronde, je pense que j'aurais eu une réaction d'animateur un peu classique, peut-être un peu cassante, peut-être un peu coupante. Là, le fait d'être sensibilisé au sujet, c'est je me dis, comment le HPI peut avoir sa place dans le groupe et en laissant la place aussi aux autres. Donc voilà, je suis en mouvement, hein, j'ai tout à découvrir. Gaude, qui est conseillère à l'emploi. Moi, j'ai eu une grande question à savoir, c'est quand on recherche un emploi et qu'on va faire des conseillers à l'emploi, est-ce qu'on doit leur dire ou pas leur dire qu'on est HPI? On le dit, on le dit pas, ou un entretien de recrutement. On le dit, on le dit pas, on cache, on essaye de dissimuler, et après, sous réserve de multiples interprétations par rapport à ce qu'on est. Voilà, c'est une question qui peut se poser. Alors, moi, je suis sensibilisée au potentiel depuis à peu près 30 ans, et depuis 14 ans surtout, parce que j'ai 3 gamins qui sont diagnostiqués précoces. Ça fait 8 ans que j'accompagne des personnes à la recherche d'emploi, 4 ans que j'accompagne des cadres. Et par rapport à ta question, je pense qu'un HPI... Alors maintenant, je détecte les HPI comme je détecterais, si j'avais 1 mètre, les gens qui font 2,25 m, par exemple, par rapport à une porte. Ou ma grand-mère qui était commerçante, elle savait combien pesait 1 kg, elle savait estimer comme ça. Donc, je pense que quand on est sensibilisé, on repère. Ce qui est intéressant, parce que si on sensibilise les recruteurs, on sait qu'après, ils repéreront. Et on aura moins besoin de dire, d'affirmer. Dans ma pratique, je trouve que... ce que je vois, c'est des personnes qui lancent des perches et qui voient si ça répond, un peu comme un radar. Et si ça répond, ils vont un peu plus loin dans « je me dis ». HPI. Mais la plupart du temps, quand même, moi, dans ma position, c'est moi qui dis. Mais vous connaissez... Alors, ça passe par des petits mots-clés. Vous connaissez même ça. Vous réfléchissez vite ou... moi, je reconnais les personnes HPI parce qu'ils sont précis, les locutions sont rapides. J'ai besoin de notes pour... parce que ça m'impressionne. besoin de comprendre le pourquoi, d'avoir du sens, beaucoup de sincérité, beaucoup d'humour sur eux-mêmes.
Et quand ils cherchent des postes, ils cherchent aussi des postes avec du sens. Donc je pense que de toute façon, dans la question est-ce qu'on doit le dire ou pas, je pense qu'à minima, il faut dire je cherche un poste qui ait du sens, qui ait une utilité, dans, où je puisse m'épanouir en tant qu'expert, dans quel domaine, si on a plutôt un profil d'expert, où je puisse avoir une polyvalence, où je puisse avoir tel et tel et tel item qui me sont importants. Les hauts potentiels intellectuels ont des CV souvent atypiques. Donc de toute façon, qu'ils le disent ou pas, quelquefois on le reconnaît. On voit qu'il y a 10 ans d'une carrière, 5 ans d'une autre carrière, une évolution rapide. Quand on est sensibilisé, on reconnaît ces signes-là. Je sais qu'il y a des recruteurs, c'est Pierre-Guillaume qui le disait, qu'il y a des recruteurs qui pensent que c'est juste pas possible d'avoir fait autant de choses, d'avoir eu autant de responsabilités, d'être passé à l'international, d'avoir eu autant de projets. Et ils pensent voilà, qu'il y a une espèce de... puisque c'est un imposteur. C'est pas possible qu'à 30 ans, telle personne ait eu tant de carrières différentes. Donc du coup, un rejet de l'autre, alors qu'en fait, c'est juste de la part du haut potentiel intellectuel une envie d'essayer plein de choses, et quand on s'ennuie, de passer à autre chose. Voilà, comprend, les CV sont souvent atypiques, les CV sont quelquefois manquent d'une cohérence, et où c'est plus facile après pour un chercheur d'emploi de convaincre, c'est quand lui-même a retrouvé et sait exprimer la cohérence de son parcours, c'est mettre des mots qui rassurent. Voilà. Souvent, les hauts potentiels sont pas très rassurants. C'est voilà un recruteur face à eux ou quelqu'un ou un conseiller, enfin comme moi face à eux, peut se dire voilà qui c'est. On a du mal à cerner quelquefois la personne, et c'est super, c'est bien d'être en étoile, en arborescence comme ça, c'est super, mais ça ne rassure pas tout le temps. Et il y a aussi une grande sensibilité, et moi je me souviens d'un collègue conseiller qui recevait de temps en temps quelqu'un, et la personne au potentiel avait une tellement grande sensibilité, mais ça se sentait cette sensibilité, que le conseiller était très mal à l'aise et à chaque fois il coupait court aux réponses, aux questions en disant ben, je vais vous envoyer en prestation extérieure, ils s'occuperont de vous. Alors qu'en fait il y avait juste un besoin intense, mais c'était trop intense pour la personne. Je rebondis sur ce que Gaëlle disait hein, sur les prud'hommes. Quelquefois un prud'homme peut. Enfin, le fait de dire qu'on est au potentiel peut permettre de dire j'ai un sens aigu de la justice. Je me suis retrouvée dans une situation vraiment injuste. Et pour moi, pour réhabiliter mes compétences professionnelles, il était nécessaire que la justice me redonne mes compétences et ma légitimité professionnelle. Donc le prud'homme, il y en a plein chez les précoces. Alors, je n'ai pas fait de statistiques, hein, mais au poste où je suis, je sais qu'il y a plein de cadres qui font des prud'hommes, qui n'ont pas peur. Mais alors évidemment, quand on en a parlé avec Eric et Émilie, et Dominique, c'était « Ah ben non, un prud'homme, non. » Mais voilà. Justement, celui qui recherche un emploi, qui est HPI, la première question, on dit « C'est quoi votre métier ?» Alors c'est compliqué parce qu'ils ont une multi-compétence, hyper étoile, quel est mon métier ? Donc là, c'est la grande perplexité. Votre code Rome, c'est quoi ? Alors là, Rome, alors moi je suis déjà à l'Antiquité, Rome, qu'est-ce qu'elle veut dire, Rome et... Les Romains Michel, Rome, de quoi on parle hein, c'est quoi ça, le code Rome? Et du coup, là déjà on dit qu'on va, ça va pas bien se passer, quoi. Hein. Et du coup, moi, j'ai rencontré beaucoup de recruteurs. La première entrée, c'est vous cherchez quoi comme métier? C'est quoi votre job? Ben, je sais tout faire, hein. Je sais lire, je sais écrire, je sais quoi comme tout le monde, finalement. Donc je pense que... Je pense que c'est vraiment une éducation et l'accompagnement aussi dont on a besoin, c'est qu'on nous traduise tous ces codes-là, qu'on nous explique qu'il faut qu'on rentre dans des boîtes et comment est-ce qu'il faut qu'on rentre dans les boîtes
Et quelles sont-elles ces boîtes-là? Et qu'on nous les explique, puis on pose plein de questions. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça. Oui, non, mais pourquoi c'est comme ça? Bon. Et ça, c'est vraiment un passage obligé. Et il faut le comprendre. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je ne dis pas que je suis d'accord. Mais j'ai compris qu'il y avait quand même... je vais être obligée, sinon ça ne va pas marcher. Donc moi, je voudrais bien voir l'avis d'un recruteur sur quand il a des profils... qui lui disent bah, je suis HPI, j'ai fait un prud'homme, voilà, mais je voudrais bien trouver quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Okay. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Je travaille depuis 3 ans maintenant dans un petit cabinet qui s'appelle le CDRH à Nantes. Petit cabinet, on a une approche artisanale des choses. Le recrutement, pour nous, ça reste un accompagnement à la fois de l'entreprise, qui a un besoin, mais aussi du candidat. Et moi, je me sens bien dans cette configuration-là. Et je pense que j'aurais été totalement inadaptée à d'autres types de cabinets, les bigs, tels Michael Page ou Ace. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je suis là. S'il y a quelqu'un de Michael Page, je serais contente hein, pour Michael Page. Mais en tout cas, ça montre quoi? Ça montre que... moi, j'ai 10 ans de journalisme derrière moi, je suis reconvertie, il y a 3 ans, justement. Et du coup, peut-être cette curiosité, la pratique quotidienne, on est clairement dans l'humain, tout ça mis ensemble, fait que quand on m'a contactée et que j'ai reçu de la part d'Eric cette étude, j'ai répondu, d'abord, j'ai répondu, ce qui est déjà une première chose, si j'ai bien compris. Et ensuite, je me suis positionnée dans un premier temps en disant, je ne suis pas sûre de vous être très utile parce que je ne connais pas les HPI et je connais effectivement la douance, les enfants précoces, on en entend parler. Je me suis même interrogée à un moment donné, est-ce que ce n'est pas un effet de mode, vous êtes habitué. Et finalement, en échangeant, je me suis rendu compte que finalement ma parole pouvait être légitime, en toute humilité, et que venir témoigner ici de mon ignorance pouvait vous être utile à vous, ou pouvait être utile au HPI, puisque il est fort possible qu'on soit amené à se rencontrer un jour, et du coup que vous, forcément, comme moi, vous rencontriez des recruteurs ignorants. Alors après, la question, ça va être quel est leur rapport, leur propre rapport à leur ignorance. Moi, je me sens très à l'aise avec elles. Et on vit bien ensemble. Et du coup, la question, c'est est-ce que le recruteur en face de vous va effectivement se mettre à votre portée et chercher la rencontre et chercher la relation? Est-ce que vous, en face, vous allez également être disponible pour vous rendre accessible, pour vous mettre à la portée de votre interlocuteur? Donc finalement, on est dans une situation de rencontre, de mise en relation, et il va falloir qu'on s'entende et qu'on se fasse comprendre. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, Gaëlle, quand on a un profil qui se présente à nous, et qu'on dit, voilà, je suis HPI, puis je viens de faire un prud'homme. Bon, ok. La question que je pose d'abord, c'est... c'est peut-être ce qui fait notre particularité aussi, j'en sais rien, mais je dis jamais aux gens qui nous adressent leur CV « C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous cherchez ?» Ma première question, c'est « Vous en êtes où ?» Voilà. Vous en êtes où parce que on est trop conscient de cette vieille manière, mais en même temps, je ne sais pas ce qu'on peut proposer comme alternative, de catégorisation. Vous voyez Du coup, voilà, j'ai trouvé cette question-là, vous en êtes où, qui me paraissait être la plus libre et la plus pertinente, parce qu'on rencontre une personne à un moment donné, ici et maintenant. Bon. Pour reprendre ma réponse et pour vous faire part du contenu de ma réponse à Eric, sur la catégorisation, je disais à Eric, non sans humour, bien sûr, mais écoute, les HPI, c'est bien gentil, mais je crois qu'en France, on a suffisamment à faire avec les Noirs et les Arabes, les homos, les femmes, les handicapés et les vieux. Alors les HPI, bon, après tout, why not hein? Évidemment, je plaisante. Mais, et puis, par conviction personnelle, j'ai toujours un peu de mal avec la stigmatisation et le communautarisme. Et, bon,
Pour autant, je crois qu'il y a un vrai juste milieu entre, et une question de nuance et d'équilibre, hein, toujours, entre des pratiques et des comportements communautaires, où là, on fait écran et on se coupe, on est hermétique, hein, par rapport au reste du monde, et le fait de nier une singularité. C'est-à-dire que je suis femme, je dois faire avec mon genre, mon statut de femme dans cette société. Donc mon insertion professionnelle va aussi dépendre de ça, puisque en tant que femme, et depuis quelques années mère, et par ma vie perso, bref, je dois communiquer en face sur ma situation pour expliquer si, oui ou non, et ce sera en face d'évaluer ça, oui ou non, ma situation est compatible avec le besoin en recrutement en face. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en situation de handicap, de fait, il faut faire avec. C'est-à-dire que j'ai peut-être une invalidité, mais à côté, j'ai pu déployer d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas, et ça c'est encore une fois une conviction personnelle très forte, de citoyenne, avant tout, on n'est pas conditionné par notre handicap, on n'est pas conditionné par notre genre, on n'est pas déterminé par notre état d'HPI, par exemple, on n'est pas déterminé par notre état de personne issue de l'immigration. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, ça fait partie de nous, ça peut faire partie d'une identité, et après, le tout, ça va être de cohabiter avec cette singularité-là, et en dans un premier temps, donc il y a d'abord cette première étape, et dans un second temps, de la partager et de la rendre intelligible en face. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc ça demande, je crois, et je terminerai là parce que je suis un peu longue, excusez-moi, ça demande en termes de méthode pour s'insérer professionnellement dans un premier temps et ensuite, alors c'est le cas pour les jeunes étudiants, jeunes diplômés, voilà, que j'accompagne aussi par ailleurs à l'université, ça demande d'abord de faire le point sur soi, ensuite une vraie méthode d'analyse du marché de l'emploi, d'aller à la rencontre des potentiels recruteurs, de discuter avec des personnes, ses pairs en fait, voilà, pour ensuite mettre en place une stratégie, j'entendais ce mot-là tout à l'heure, quelle stratégie on va mettre en place à partir de ce qu'on est. Voilà. J'aime beaucoup la phrase de Madame Boss tout à l'heure qui disait au lieu de faire malgré, pourquoi pas faire avec. Ah ben voilà, oui, ça fait partie de moi, ok, je suis HPI, mais je ne suis pas que ça, quoi. Je fais autre chose, je suis autre chose, et voilà en quoi je peux être utile. C'est ce qui me semble aujourd'hui le compromis peut-être le plus cohérent par rapport au monde du travail et par rapport à ce que je peux percevoir chez nos clients et chez nos confrères recruteurs. Voilà. J'espère avoir répondu un petit peu. Oui, je crois que l'objectif des conférences de Mensa, comme celle-ci, si j'ai bien compris, c'est une espèce de pont entre deux mondes, si je veux dire, entre le HPistan et ceux qui ne vivent pas en HPistan. Donc, c'est vraiment ce go-between-là, et je pense que ça n'a pas vertu à vivre à la singularité, mais je crois que ça prend du temps, en tous les cas, que vous êtes la recherche d'emploi, et mon témoignage, ça prend du temps. C'est-à-dire que d'abord, il y a tout un tas de trucs qui ne vont pas, vous êtes décelé tardivement, comme c'est mon cas, moi j'ai 47 ans. Et vous revisitez, comme Cécile Beau, tu as vu toute votre vie l'éclairage de cela, du coup vous mettez plein de trucs en place, voilà. Et après, vous passez par je suis passée par la phase du nono, bah, après tout, 47 ans que je vis comme ça, ces autres qui vont faire maintenant 47 ans à eux, c'est leur tour. Ils vont faire l'effort, ils vont s'adapter, ils vont voir ce que c'est, que bon, il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas. Et après, finalement, on se dit, bah non, c'est pas ça, quoi. C'est effectivement pour faire avec, c'est un véritable atout. Mais je vis dans une société où les HPistan ne sont pas majoritaires. Et donc, du coup, quand le courant n'est pas majoritaire, eh bien, il faut faire avec le courant, avec ce courant-là, avec ce courant, et arriver à en tirer parti finalement, et vraiment, et j'ai trouvé ça, je l'aurais pas mieux formulé moi-même, je n'avais pas la formulation, mais maintenant, oui, c'est une véritable stratégie. Donc, Gaud voulait réagir à ce qui vient d'être dit, et puis j'aimerais bien aussi entendre Eric par rapport à
catégorisation et est-ce qu'on fait quelque chose de spécifique et on doit les traiter spécifiquement ces profils un peu particuliers et voilà. Oui, donc par rapport à ce que disait Émilie, en entretien de recrutement, qu'on soit HPI ou pas, enfin voilà, le HPI peut faire peur, même sans le dire ni rien. Ça peut arriver que le candidat ou la candidate soit face à une personne qui tout d'un coup se ratatine parce qu'elle se dit « celui-là ou celle-là, dans 6 mois, il prend ma place ». Celui-là ou celle-là, dans 3 mois, va s'ennuyer et va partir. Un recrutement, c'est aussi, les recruteurs ont besoin d'être rassurés. Rassurés parce que financièrement, parce que le reste de l'équipe, parce que plein de choses. C'est pour ça d'ailleurs que quelquefois... Enfin bref, donc ils ont besoin d'être rassurés et ils n'arrivent pas à imaginer le candidat qui est devant eux avec le reste de leur équipe, ils n'arrivent pas à le visualiser dans un futur à 2 ans, à 5 ans. C'est difficile pour un recruteur. Donc, voilà. Je vais passer la parole à Gaëlle. Juste Eric qui va nous dire son point de vue de recruteur. Et puis Dominique qui est manager. Alors, elle qui a peut-être ou eu des HPI dans son équipe et voilà, et après, comment parier sur ces profils pour le bénéfice de son entreprise et de la personne, en fait. Et qu'elle y reste, en fait, dire je vais parier, et comment le faire qu'elle reste, me dire je ne vais pas la prendre, en 6 mois, elle va être partie avec tout ce qu'elle sait faire. Ou, voilà. Donc, Eric, brièvement, Dominique, et puis après, on va vous laisser la parole parce qu'on veut garder le timing, et l'intérêt, c'est qu'on puisse échanger avec vous. Vous avez plein. Des parcours de chercheurs d'emploi avec plein de questions, des parcours de recruteurs avec plein de questions, ou de managers, et c'est important qu'on puisse échanger avec vous. Alors la question, c'est quoi la question ? Est-ce que tu catégorises quand tu as HPI ? Est-ce que tu penses qu'il faut faire un accompagnement spécifique sur la question de la catégorisation ? Voilà, il est HPI, donc, quelque part, un traitement, pas de faveur, mais en tous les cas, un particularisme ou une adaptation dans le traitement. Et puis, par ailleurs, aussi, aux demandes de clients, ben moi, je veux quelqu'un comme ci, comme ci, comme ça. Et le HPI en face dit, d'accord, très bien, votre fiche de poste, elle est super, sauf que ça, je prends pas. En revanche, je vous vends tout ça qu'il n'y a pas sur la fiche de poste. Vous prenez toujours ? En fait, on s'est un peu bagarré quand on a préparé la table ronde. Parce que j'ai entendu des HPI avec qui j'ai discuté qui disaient « je vais être traité différemment ». Je l'ai entendu comme ça, hein, c'est ce que j'ai entendu. Et moi j'ai dit « c'est injuste pour tous les autres candidats hein, qui sont en recherche d'emploi ». Ce serait écœurant que le HPI soit traité différemment, que le recruteur passe plus de temps avec le HPI qu'avec les autres. Donc on s'est pas mal bagarré. Je suis encore plutôt dans cette... On avait prévu même de vous faire un jeu de rôle sur scène qu'on ne va pas faire parce qu'on va plutôt répondre à vos questions, où j'étais tranché comme un recruteur parce que vous avez entendu Émilie qui est ouverte sur la discussion, qui a une approche différenciante dans sa rencontre des candidats. La majorité des recruteurs que vous connaissez sont complètement normés. On leur demande de vous mettre dans une case. Et d'ailleurs, même moi qui suis très sensibilisé à ça, je m'aperçois que j'ai toujours rien compris à ce que c'est qu'un HPI. J'ai rien compris. Parce que j'ai entendu des discours, et j'ai entendu par exemple adaptation, grande adaptation, et j'ai entendu l'inverse. Je ne m'adapte pas du tout parce que je voudrais que les autres s'adaptent à moi et que je suis pas dans une norme. Voilà. Donc j'ai toujours rien compris. Et ça, c'est mon réflexe de recruteur que j'ai eu pendant 17 ans. C'est mettre dans des cases. C'est-à-dire ça rassure. Et le recruteur, il va être rassuré. Pourquoi ? Parce qu'il va intégrer quelqu'un qui, s'il est différent, va mettre la zizanie, peut-être, c'est peut-être ça qu'il a dans la tête, dans ses équipes. C'est-à-dire que le HPI va rester, puis tous les autres, ils vont partir. On dit, mince alors. Alors, il faut faire des équipes de HPI. Voilà. Donc, en fait, c'est pas simple. Moi, je pense que c'est au HPI de s'adapter, dans un premier temps. S'adapter au moment du recrutement, au moment de son intégration dans l'entreprise. Et ensuite, l'entreprise s'adaptera à lui.
C'est-à-dire qu'il faut mettre en place, il faut vous communiquer, il faut qu'il y ait le maximum de traduction pour que les recruteurs, les RH comprennent ce que c'est que le HPI et qu'ils mettent en place ce qu'il faut pour que les HPI réussissent en entreprise. Mais dans un premier temps, il va falloir passer le cap du recruteur et avant de faire bouger la norme qui est ce qu'on demande en fait. Hein, on ne peut pas faire de dessin, mais si j'avais à faire un dessin du recrutement, c'est en gros c'est un carré. Le candidat c'est un carré, on lui demande de faire un carré avec ses compétences. Et s'il a de la valeur ajoutée, s'il a des atouts, s'il a des choses en plus, c'est un petit carré qui est en plus, mais en plus de ce qui a été demandé, le carré. Et donc nos grandes discussions, c'est... Gaël me disait, mais moi je suis beaucoup plus que ce carré-là, mais il y a une partie du carré que j'ai pas. Donc il va falloir que l'entreprise comprenne que je peux lui apporter beaucoup plus de choses que n'importe qui, mais je suis pas complètement dans ce carré-là. Voilà. Donc pour moi, ça va être... Donc tu m'as appris pendant 6 mois qu'il fallait que je fasse beaucoup d'efforts pour rentrer dans le carré. Donc je rentre presque dans le carré. Oui. Juste parenthèse, personne n'est dans le carré. Personne n'est jamais... On parle du... Vous connaissez tous, hein, le mouton à 5 pattes. Voilà. Je connais, je vous mets au défi, hein. Personne n'est dans le carré. Donc comme ça, c'est un grand point commun et ça nous unit tous. Bonjour, je suis Dominique Prioux, j'ai travaillé, ça fait 18 ans que je suis dans les ressources humaines, plus particulièrement dans les collectivités locales, et essentiellement sur les thématiques de recrutement, formation, mobilité, accompagnement professionnel. Et aujourd'hui, je suis dans une structure publique où je continue à travailler ces thématiques, également à travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà. Du coup, alors moi je suis maman d'un enfant effectivement qui a été diagnostiqué précoce il y a à peu près un an. Pour autant, quand on m'a contacté pour cette table ronde, alors au regard de la qualité RH, on va dire du responsable RH, le sigle HPI, je ne connaissais pas, je ne savais absolument pas ce que ça recouvrait. Ça a été un peu un grand moment de solitude quand même, parce que du coup, j'ai eu la sensation de prime abord d'être passée à côté de quelque chose depuis des années, quoi. En réfléchissant et en travaillant sur le sujet de cette table ronde, du coup, ça fait écho en fait à une situation professionnelle que j'ai rencontrée il y a quelques années. Du coup, pas tant en tant que RH, mais en tant que manager. À l'époque, effectivement, j'étais responsable d'une équipe de 5 cadres. Et je me suis souvenue que parmi ces 5, dont je les avais tous recrutés, 2 d'entre eux, j'avais hésité au moment du recrutement. Je m'étais dit, bon, c'est un pari, quoi, au vu des CV qui étaient effectivement CV atypiques, avec des déroulements de carrière un peu particuliers. Alors l'une, c'était au départ une assistante paye, qui au final, effectivement, est devenue responsable paye très rapidement. Très, très, très rapidement, donc elle a doublé son salaire en quelques mois, parce qu'elle n'était pas effectivement à sa place quand je l'ai recrutée. Et l'autre personne, c'était quelqu'un qui était contrôleur de gestion, donc plus particulièrement affecté donc, sur les tâches financières, et qui, en fait, je me suis aperçue, au gré des projets qui se sont présentés à notre direction, était capable de faire du marketing projet auprès des élus. J'ai le souvenir, du coup, de cette époque. C'est un excellent souvenir, en fait, expérience professionnelle. Et puis, en tant que manager, c'était une période formidable. Il y avait une énergie de travail incroyable. Et en fait, je crois que j'étais fière d'avoir réussi à constituer une équipe de cadres composée de gens différents, justement. Enfin, moi, ça m'enthousiasmait. C'était incroyable, en fait. Il y avait énormément d'énergie qui se dégageait de cette équipe. Je pense que ça a fonctionné pour les deux personnes que je citais, parce que, effectivement... C'est vrai qu'elles étaient plus en demande que les 3 autres. Clairement, ça a fonctionné, je pense, par la confiance que l'institution leur accordait, que je leur accordais, donc, par la confiance, certainement par la souplesse aussi, au niveau des horaires. C'est vrai que c'est pas... Bon, voilà, c'est des gens qui fonctionnent au résultat, pas, qui s'inscrivent pas forcément dans un cadre horaire défini. Surtout par l'autonomie, effectivement, qui leur a été octroyée dans la gestion des dossiers et des projets. Donc c'est vraiment une... Ça a été une époque, on va dire, formidable.
En revanche, il est vrai qu'à moyen terme, alors quand je dis à moyen terme, c'était à l'horizon de 2 ans, 2 ans et demi, ça a été plus compliqué pour moi de gérer en fait ces deux personnes, enfin cette équipe, car finalement, on va dire que la gestion peut-être plus particulière de ces deux personnes, du coup, a été incomprise par le reste de l'équipe. Bon, voilà. Du coup, au bout de 2 ans et demi, ces deux personnes ont fait un chemin différent dans d'autres structures. Et aujourd'hui, en fait, avec le recul, je me dis que cette expérience aurait pu se poursuivre plus durablement si finalement on avait une connaissance réciproque plus approfondie. Parce que finalement, moi, j'ai fait quoi ? J'ai fait un management intuitif. J'ai fait avec ce que j'étais. Vraiment, voilà. Et je pense que ces deux personnes n'avaient pas non plus une bonne connaissance finalement de ce qu'elles étaient. Donc, du coup, mon propos me conduit finalement à aboutir à une première conclusion qui est qu'effectivement, il faut absolument développer une connaissance réciproque. Donc, vous avez pu le constater à travers Eric, à travers Amy et à travers moi. Les ressources humaines, les responsables RH, les managers ne sont pas informés, sensibilisés non plus et encore moins formés. Donc ça, je pense que c'est important pour vous, en tout cas pour les personnes qui sont au potentiel. Il faut vraiment que vous ayez conscience que vos interlocuteurs, lors des entretiens de recrutement, lors des entretiens d'évaluation, même quand vous êtes dans une structure, lors de vos entretiens de mobilité, finalement, ils n'ont pas cette connaissance-là, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'HPI recouvre. Du coup, ça implique, on retombe effectivement sur les propos qu'on a déjà tenus, ça implique de votre part de vous faire connaître, mais pas forcément en disant je suis HPI, parce que là, à mon avis, ça va être le gros blanc et le gros flop. Mais en revanche, c'est vrai qu'on dit de vous, effectivement, que vous avez des idées originales, une imagination puissante. Alors je lis là, il y a des avis indépendants, des capacités à fournir effectivement des nouvelles solutions à de vieux problèmes, que vous êtes générateur effectivement d'idées créatrices dans une équipe. Tout ça, du coup, ça peut effectivement amener à des compétences précises, hein, à résoudre des problèmes complexes. Je pense que la plupart d'entre vous, effectivement, sont capables de piloter des projets en totale autonomie ou plusieurs projets en même temps. Ça, c'est des choses que vous pouvez, dont il faut que vous fassiez part. C'est une chance, hein, c'est une chance que vous avez, donc il ne faut pas le dissimuler, il faut le faire savoir. Effectivement, il faut le faire savoir en termes de compétences. Et après, dans la connaissance réciproque, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que on a parlé de rassurer. C'est vrai que rassurer, c'est important. Rassurer le responsable RH, rassurer le manager sur votre capacité d'adaptation. Mais à la fois, il faut vous rassurer aussi. Et pour vous rassurer, je pense qu'il est important de vous questionner sur les perspectives d'évolution du poste, du service, ou de la direction, ou de la structure. Pour que vous y trouviez, si vous y trouvez pas votre compte immédiatement, que vous ayez au moins la perspective de trouver votre compte à moyen terme. Donc se rassurer, c'est important que la structure qui recrute ou qui va vous donner l'occasion de faire une mobile ne se trompe pas, mais vous, il est important également que vous ne trompiez pas. Donc voilà sur cette partie importante, la connaissance réciproque. C'est vrai qu'en les RH, on est beaucoup sensibilisés, sur les politiques RH, on travaille beaucoup sur les personnes en situation de handicap, sur les jeunes, pour favoriser l'emploi des jeunes, également sur l'égalité homme-femme, mais effectivement pas sur les HPI. Donc ça, il faut que vous en soyez conscients. Alors, je ne sais pas si je continue ou si tu veux terminer des questions. Juste rebondir avec le petit conseil pratique. Si jamais vous êtes en situation de recrutement, là, dans les jours, semaines, mois qui viennent, et puis de toute façon, aujourd'hui, statistiquement, on va faire 3 métiers dans la vie avec le marché du travail qui évolue et notre société aussi.
Donc on est souvent amené à se retrouver dans ce genre de situation. Mettez-vous en tête qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un de fondamentalement flippé. Donc effectivement, on dit il faut rassurer, être rassurant. Mais pourquoi ? Parce que le recruteur, par nature, est dans une situation d'inquiétude. Si c'est un cabinet inquiétude, est-ce que je ne vais pas rater le bon candidat ? Est-ce que je ne vais pas me tromper ? Est-ce que mon client va être content ? Je suis volontairement simpliste, mais en gros, pas très éloignée de la réalité. Donc, je suis inquiète pour ça. Deuxièmement, l'entreprise, elle est inquiète aussi, parce que est-ce que je dois recruter pour hier, j'ai un poste vacant, j'ai un problème, j'ai des commandes à honorer, enfin bref, il y a tout un contexte, vous allez prendre un train en marche, est-ce que c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment ? Donc on a une somme d'inquiétudes et de peurs qui sont réunies et concentrées en 45 minutes, une heure d'entretien, qui est phénoménale. Et alors en réaction à ça, on ne va pas tous prendre des médicaments ou faire une crise de tachycardie. Moi, ce que j'invite à faire, c'est surtout dédramatiser. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'urgence. On est là pour que tout le monde soit content. Donc, dédramatiser. Si on fait ce petit effort-là d'empathie, c'est-à-dire la personne qui est en face de moi, elle a trouillé. Et si la personne en face de vous, effectivement, elle se dit « Bon, la personne qui est en face de moi, elle a la dalle, il faut absolument qu'elle travaille. Bon, » on assume. On dédramatise. Et là, on peut passer aux choses sérieuses et discuter. Encore une fois, le but du jeu, c'est qu'on trouve la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et que pour vous, candidat, vous soyez, ce soit la bonne entreprise, au bon endroit, au bon moment, aussi pour vous dans votre parcours. Voyez. Donc j'appelle vraiment à la dédramatisation, à l'humour, à la légèreté presque. Parce que hyper dramatiser, même si les enjeux, je le sais très bien, évidemment, sont forts et sérieux, apporter une dose d'humour sur vous-même et quelque part... essayer de comprendre aussi et de désamorcer, parce que la première des choses qui permet à quelqu'un d'aller mieux, c'est de se sentir reconnu. D'ailleurs, peut-être que tous, quand vous avez été détecté, il s'est passé quelque chose de cet ordre-là, certainement. Hein ? On se sent reconnu, donc on se sent compris, donc là, on est plus disponible pour continuer l'échange. Voilà, je m'arrête là. Tout ça pour dire que ça prend quand même beaucoup de temps. Enfin, je veux dire que si vous êtes HPI, vous êtes un chercheur d'emploi, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous êtes un peu perdu, parfois ça commence juste dans le fait de s'inscrire. Déjà, prendre son téléphone pour s'inscrire, c'est déjà un pas incommensurable pour certains HPI à faire. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire une démarche. Et tout ça, on n'imagine pas que ça peut être compliqué. Et avoir conscience de ses compétences, ça prend aussi un certain temps. Donc moi, je dirais que je ne regrette pas le temps que j'ai perdu, entre guillemets. J'ai perdu, mais c'est pas perdu, j'ai valorisé 2 ans à faire. D'abord, j'ai quand même encaissé le burn-out, UHPI, mon prud'homme, tout ça, c'était beaucoup. Et du coup, beaucoup, et maman là, qui se retrouve à la maison avec des enfants, puisque tu as du temps, tu n'as pas fait ça, et qu'est-ce que tu as fait de ta journée ? Tu es à la maison, forcément. Et du coup, tout ça, c'est... J'ai mis ce temps à profit pour comprendre, réaliser, prendre conscience de mes compétences, d'où je voulais les mettre, de l'utilité que je voulais en faire. Et c'est un temps, je pense, qui est... peut-être compressible, mais en tous les cas, qui est incontournable avant de se dire, bon, bah maintenant, et curieusement, depuis que j'ai lâché sur un certain nombre et que j'ai fait ce travail, je réponds à des offres, je suis invitée à des entretiens, je rencontre des gens, je me sens assez légitime dans ce que je suis. En fait, j'ai reconnecté, comme les intervenantes l'ont dit, enfin la tête avec le corps. Et je m'étais aperçue que j'étais complètement coupée, j'avais ma tête et le reste suivait, tant bien que mal. Donc voilà, les conseils que vous auriez donné, c'est, ce n'est que mon témoignage, donc ça ne vaut que pour ma personne. Dans tous les cas, je pense qu'il y a ce il faut être conscient de ces compétences. Quand vous êtes armé de tout ça, on peut enfin faire le pas vers le recruteur, aller le rencontrer, se mettre à son niveau, ne pas arriver comme ça, bah, si tu n'es pas d'accord, bah, bon, non plus, puis il n'y a pas de raison que je fasse d'effort. Bon. Partir en claquant la porte à l'entretien de recrutement en disant mais quel con, il ne comprend rien.
Voilà, mais ça prend du temps, je veux dire. Voilà, il faut faire ce travail avant pour après accepter de rencontrer l'autre. Voilà, d'abord se rencontrer soi, mais c'est très basique ce que je dis finalement. Voilà. Je voudrais intervenir. Moi, j'accompagne des personnes et je vois quand même beaucoup de détresse, beaucoup de révolte parce qu'un entretien s'est mal passé, parce que le recrutement était bien parti avec un N plus 1 technique. Et techniquement, il n'y a rien à dire sur les compétences du candidat, il sait qu'il est bon. Et après, là, il y a une incompréhension des HPI sur pourquoi est-ce qu'il y a un entretien avec les RH et quelquefois avec, oui, avec les ressources. Enfin, voilà. Et pourquoi ils me posent des questions qui ne veulent rien dire, dont je ne comprends pas le sens, avec trois fois la même question mais posée différemment. Enfin, tout ça, c'est ridicule. Moi, je sais que je suis valable. Et je m'entends bien avec la personne avec qui j'ai envie de travailler, qui a envie de travailler avec moi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce filtre des RH ? Donc, bah, voilà, ça, c'est, faut expliquer pourquoi le cadre technique a besoin d'un parapluie et que les RH peuvent aussi apporter quelque chose pour fédérer des équipes. Enfin, bref. Je vois aussi des gens qui restent chez eux tout seuls devant l'ordinateur et qui procrastinent. Vous savez ce que c'est la procrastination ? Voilà. Et donc, voilà, c'est difficile parce que ces gens-là me demandent, mais je veux que vous soyez comme un parent, je veux que vous soyez comme un coach militaire, je veux que vous me donniez des coups de pied au derrière pour que j'avance. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Et c'est aussi, alors, du coup, on est amené à parler de faire du sport, aller à la culture, enfin voilà, avoir une vie culturelle, une vie sociale, mais quand on n'a plus d'argent et qu'on n'a plus d'existence, et ben, on n'est pas fier de soi. On est amené avec les HPI, en tant qu'accompagnateur recherche d'emploi, à parler de la personne dans sa globalité. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous prend pas dans votre globalité, eh ben, demandez peut-être à changer de conseiller, demandez à changer d'interlocuteur, ou indiquez pourquoi pour vous c'est important et pourquoi pour vous ça vous bloque. Donc des associations comme Mensa ou d'autres, ou des associations de demandeurs d'emploi ou de chercheurs d'emploi, c'est très bien. Donc moi j'envoie souvent des personnes chez Eric, chez Entre deux Jobs, parce que je sais que là au moins il y aura une dynamique, il y aura un, ça rompra la solitude et c'est important de ne pas rester chez soi tout seul. Pour la préparation de la conférence, on a réuni l'autre jour 8 Mensans en recherche d'emploi. Une des choses qui sortait, c'est « j'ai besoin de belles histoires de HPI heureux dans leur travail ». Parce que ça existe, évidemment. Juste avant d'être au chômage, les personnes étaient en poste. Hein. Et avec des projets, avec une équipe abonnée, avec, voilà, quelquefois... alors je voulais parler aussi du syndicat, parce que les HPI ont tellement besoin de comprendre les enjeux de l'entreprise que si à leur poste ils n'ont pas cette tour d'observation, souvent dans le syndicat on trouve des HPI parce que c'est une manière d'être au courant de tout avant tout le monde, de comprendre les enjeux, de savoir si le projet qu'ils sont en train de construire, la société au national ou à l'international, va vraiment dans le même sens. Enfin voilà, donc le syndicat, ça peut être aussi une bouffée d'air frais. Et évidemment, si on en parle à un recruteur, eh ben, ça ne le rassure pas du tout. Bon, voilà. Quand on parle d'accompagnement, on parle aussi, moi je parle aussi, est-ce que vous allez voir un psy ? Certains me disent, ben, j'ai des hauts, j'ai des bas. Alors, ce n'est pas forcément de la bipolarité, hein, c'est de l'hypersensibilité. Et certains me disent, ben, j'ai un handicap, parce qu'on m'a j'en ai vu deux. On m'a reconnue inapte au monde du travail parce que je suis, et j'ai une reconnaissance TH, parce que je suis atypique. C'est scandaleux de mettre ce mot, reconnaissance TH. Voilà. Reconnaissance travailleur handicapé. Et oui, donc moi je parle très souvent de l'accompagnement psy, mais un accompagnement psy avec un psy à qui on a confiance, et en ça je rejoins, voilà, et quelqu'un qui soit spécialisé pour le haut potentiel, parce qu'autrement ça ne sert à rien. Vous allez trouver face à quelqu'un qui va vous dire vous êtes trop exigeante, vous pensez trop aux autres. La liste de Cécile, on l'entend tout le temps. Donc la période de chômage, ça peut être une période où on apprend sur soi, et moi j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense qu'un haut potentiel heureux,
Au potentiel âgé, plutôt, c'est au potentiel heureux quand il a appris sur soi. En micro. Voilà. Et maintenant, je reprends et je dis c'est à vous. Voilà. Monsieur. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu dangereux de faire figurer sur son CV qu'on est HPI? Justement, on est arrivé par le cabinet AID, moi j'étais plus tard que mardi dernier. Moi, je ne fais pas figurer sur mon CV en fait que je suis HPI parce que je me dis j'ai tout à y perdre. Je pense que le recruteur, que ce soit un conseiller en cabinet de recrutement, que ce soit un recruteur, proprement dit, il va peut-être se dire que je suis quelqu'un de prétentieux. En plus de ça, dans mon propre métier, je ne vois pas trop en quoi le fait d'avoir un QI élevé sert à quelque chose. Je suis membre de chez Mensa, donc je le mets sur mon CV, mais plus dans le but de montrer que j'ai une vie sociale, et ça s'arrête là, c'est pas du tout. En général, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est pas très connu. Donc les gens ne savent pas ce que c'est, je leur dis c'est un club, même titre que le Yacht Club ou que le Rotary Club, et ça leur convient. Et ça, je m'arrête là. Donc moi, pour ma part, je ne dis pas que je suis HPI, je me fonds entre le papier peint et le mur, parce que ça ne sert à rien, je sais faire tout comme tout le monde de toute façon. Donc je ne vois pas pourquoi je le dirais, et je ne vois pas ce que ça va apporter. Donc j'en parle à personne. Pour la petite histoire, j'ai été taguée sur un article comme quoi j'allais être dans cette table ronde, j'ai demandé à être détaguée pour que ça ne ressorte pas, parce que je me suis aperçue que je ressortais sur Google, quand je me googlisais en premier, revenait ma participation à cette table ronde. J'ai dit, mon Dieu, quelle horreur. Et donc, je me suis fait détaguer pour ne pas apparaître dans la... Non, mais pour vous dire jusqu'où ça va. Donc voilà, moi, c'est juste mon expérience. Moi, je ne le dis pas, et tout ça, et là, on est entre nous, et ça ne sort pas d'ici, c'est formidable. Maintenant, on va peut-être prendre d'autres questions, et puis ensuite, on vous fera un retour à chaque... Ouais. Bonjour. Donc, je voudrais juste dire que je vais écrire un livre d'une histoire heureuse de quelqu'un qui a HPI au boulot, voilà, sans ni être prétentieux, ni provocateur, parce que c'est vrai que tous les bouquins qu'on voit, c'est sur des gens qui ne sont pas très heureux. Et je pense qu'il y a beaucoup de HPI qui sont heureux, donc ce serait bien d'avoir quelques témoignages. Sur le boulot en particulier, je voudrais dire mon témoignage et deux, trois bricoles. La première, c'est que après, je suis enseignant dans l'enseignement supérieur, voilà. Après avoir constaté que j'avais toutes les potentialités pour être responsable dans une certaine entité, voilà, responsabilité qu'on m'avait fait miroiter d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais des anti-compétences pour le devenir, c'est-à-dire toutes les compétences qu'il ne faut pas avoir pour être dans certaines situations, pas toutes heureusement, responsable, c'est-à-dire trop s'investir, être trop brillant, donc faire ombrage à ceux qui sont encore au-dessus de vous, parce que vous êtes forcément au-dessus de la hiérarchie, quelqu'un d'autre, ne pas tenir sa langue, ne pas vouloir marcher dans toutes les combines déjà en place, ne pas vouloir être une simple courroie de transmission, alors que moi je suis plus un électron libre, voilà, etc. Donc, ceci étant, après, il faut se reconvertir. J'ai pensé à changer de travail et puis j'ai renoncé, mais j'ai fait cette recherche, je l'ai menée jusqu'au bout, parce qu'il faut toujours aller au bout de sa recherche. Donc moi je ne suis pas en difficulté dans mon emploi, mais je suis peut-être en difficulté de se sentir sous-utilisé ou d'avoir une perte de sens ou simplement de s'ennuyer. Voilà. Donc j'ai essayé de me reconvertir sans changer de travail, c'est en diversifiant un peu. C'est assez facile quand on est prof, on peut faire plein de choses, je suis correcteur... des concours, enfin voilà, j'ai écrit des bouquins, voilà. Et voilà, donc je donne un peu cette piste, parce que parfois, au lieu de vouloir changer de chaise, rester là où on est, c'est d'ailleurs peut-être plus simple, plus difficile, je ne sais pas, mais et regarder comment diversifier, comment vivre autrement, comment arrêter aussi peut-être de reprocher aux autres, et voilà, se remettre un petit peu en question. Et je ferai une troisième idée. Oui, voilà, c'est important d'entendre HPI quelque chose de positif au lieu de que ce soit... Moi, je ne me sens pas du tout handicapé.
Après, je ne dis pas, je rencontre des difficultés que vous rencontrez, forcément. La vie n'est pas facile, mais la vie n'est facile pour personne. Oui, peut-être pour réagir à ce qui est dit. Donc, je fais un appel à témoins. Donc, au sein de l'association ANDRH, j'anime un groupe qui aide les RH à trouver du travail. Et je fais venir des intervenants. Et donc, j'ai besoin d'un HPI heureux. S'il y en a, il y a au moins un dans la salle, au moins. Et il y a un autre bras qui s'est levé, il y en a deux, trois. Oh là là! Mais on peut être HPI et heureux, c'est possible. Donc en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui soit prêt à venir traduire. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé quand on travaillait ensemble. Traduire pour l'autre ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'était très rigolo. C'est quand on travaillait, il y avait plusieurs HPI à la table et puis plusieurs qui ne l'étaient pas. Et donc, il y avait un HPI qui traduisait ce que disait l'autre HPI en disant « Voilà, quand il est en train de faire comme ça, il est en train de te montrer comment il est dans sa pratique. » Et quand on a préparé la table ronde, moi j'avais une frustration terrible, c'est qu'on ne parlait pas de la table ronde, on parlait que de traduction. Ils essayaient de me faire comprendre, je ne comprenais rien du tout, de me faire comprendre ce que c'est qu'un HPI. Donc, l'appel à témoins, donc moi je vais aller déjeuner après, à 13h, hein, à la fin de la table ronde, mais j'ai au moins 5 minutes, j'espère, pour qu'il y ait des HPI heureux qui puissent venir raconter en l'espace d'une heure, une heure à deux heures, il peut y en avoir plusieurs, qui c'est le HPI heureux. Et la question qui me trotte vraiment dans la tête depuis que j'ai été associé à cette réflexion, c'est est-ce que c'est un atout ou un handicap d'être HPI? Et quand j'entends handicap, je me dis « Ah mince, parce que ça, c'est pas ça qui rassure le recruteur. » La table ronde, là, c'est comment se faire recruter, hein, et comment être intégré dans l'entreprise. Donc si vous inquiétez le recruteur, ben, il ne vous embauche pas, hein, tout simplement. Il a des doutes, ben, il passe au suivant. Il n'a pas le temps d'être dans la compréhension. Alors, je suis caricatural, mais la majorité des recruteurs, ils sont comme ça, sauf s'il a fait un travail préparatoire. Alors quand je vois le temps qui est nécessaire pour moi pour comprendre, je me dis, je ne suis sans doute pas le seul. Voilà, et puis moi, j'ai envie de comprendre. Alors, ceux qui n'ont pas envie de comprendre, donc, comment vous arrivez à rassurer? Ben, vous rassurez si vous livrez aussi ce que tu as commencé à dire, Dominique, aussi, sur toutes les qualités que vous avez, qui sont des qualités invraisemblables, incroyables, qui sont différentes, en fait, des autres. Donc, elle est où, la valeur ajoutée? Et le mot que tu cherchais tout à l'heure, en fait, je l'avais, moi, sur mon papier, c'est valoriser, comment vous valorisez. Et tout part de la connaissance de soi. Donc, est-ce que vous vous connaissez? Si vous ne vous connaissez pas, ben, vous avez intérêt à travailler. Si vous êtes là, c'est que à travailler sur vous, hein, connaissance de soi. Donc, se rassurer soi pour rassurer le recruteur. Et quand vous livrez qui vous êtes, hein, par rapport à la question « est-ce que je mets sur le CV ?», vous ne savez pas qui est la personne qui est en face, faites attention. Je trouve que l'idée d'inviter Mensa, c'est une super idée, parce que celui qui est un peu sensibilisé, ben il va bien réagir, c'est qu'il a eu déjà une préoccupation à un moment donné. Il faut peut-être être un peu prudent, et puis avancer doucement, comme ça a été dit à cette table ronde. Voilà. Donc, appel à témoins, à 13h, j'ai très faim, donc à 13h05, je suis parti. Hein. Voilà. Moi, je ferai un lien entre ce que vous venez de dire, monsieur, et ce qui n'a pas été dit. Oui. Sans doute aussi. Comment rentrer dans le moule? Et ça, c'est une question qu'on entend très souvent, de la même façon que moi, je cherche du boulot, mais je ne sais pas me vendre. Alors, je ne sais pas me vendre, moi j'ai l'habitude de dire l'esclavage est aboli il y a quelques années, vendre des êtres humains c'est complètement révolu, évidemment je mets de la mauvaise foi, mais peut-être qu'on pourrait reprogrammer les choses et se dire que se vendre, si on se met en position translator, traduction, ça voudrait dire me vendre, ça voudrait dire que j'intègre la fonction traducteur dans ma communication. Pour rebondir sur ce que disait Eric, on prend du temps pour lui expliquer ce que veut dire le HPI. Donc du coup, le HPI, il faudrait qu'il intègre tout de suite la fonction traducteur à sa communication pour parler de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi tout ça? Là, on parle de quoi? On parle de décentration. Faire ce petit effort d'empathie qui consiste à se dire que je suis
un électron libre, une personne voilà, en situation d'offrir mes compétences pour un poste, pour un besoin donné. Mais j'arrive dans un contexte, dans un environnement, dans une problématique, dans un système, et je vais proposer de prendre la place dans ce système-là. Gardez bien en tête que, à la limite, on ne vous a pas attendu pour exister déjà, enfin, que le système ne vous a pas attendu, et que si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc ça peut toujours parfois un peu froisser l'ego. Mais du coup, c'est vraiment important de se dire qu'il y a quelque chose, il y a une réalité qui ne nous appartient pas, et nous, on va intégrer cette réalité-là. D'accord ? Exemple de cette personne responsable de pôle culturel, qu'elle est certainement extrêmement brillante, sauf qu'elle a effectivement une forme d'incompétence, pour une anti-compétence relationnelle a priori, qui fait que extraterrestre au milieu de voilà. Donc on ne peut que le déplorer. Vous, en tant que recruteur, ben voilà, vous êtes planté. Bravo. Et du coup, non ? Oui, pardon. Alors, d'accord. Et justement, merci de le dire. Merci beaucoup, parce que ce que je voulais ajouter, c'est que manager, c'est un art. Et là, on a un manager qui a une vraie conscience de sa fonction de manager. D'accord ? Qui a sa définition, qui est d'accompagner une personne à révéler et à s'épanouir au sein d'une fonction. En prenant en compte, mais regardez, comme c'est quand même magnifique comme métier, manager, c'est-à-dire faire émerger les talents des uns des autres, valoriser, et puis garantir la paix sociale en même temps. Voilà. Donc, pour rebondir là-dessus, rentrer dans le moule, moi j'aurais envie de dire, identifier votre moule, ou alors créez-le. On peut créer son poste, on peut identifier, de la même façon que le monsieur HPI Heureux disait ben voilà, moi je reste à ma place de prof, mais à côté j'écris des bouquins, je fais ci, je fais ça. Donc il réinvente, voilà, il réinvente, il investit, il se nourrit, et quelque part il est son propre pourvoyeur de nourriture spirituelle, quelque part, voilà, et de motivation aussi. C'est une question de motivation tout ça, c'est hyper important. Donc il faut aussi sortir, se décentrer et sortir de cette posture d'enfant qui consiste à ouvrir le bec et attendre qu'on va vous alimenter. Voilà, quand on dit on ne peut pas s'adapter à vous, c'est aussi qu'on n'est pas vos parents, quoi. On n'est pas là pour vous materner, l'entreprise n'est pas là pour materner. Et souvent on entend ça, quand on voit des plans sociaux, des fermetures d'usines, les collaborateurs peuvent dire après tout ce qu'on a fait pour eux. Voilà, où l'entreprise, et il y a encore cette vision assez tenace en France, l'entreprise... et quelque part une sorte de maman, de père, de mère, voilà, on parle de management paternaliste, de choses comme de culture, hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, donc, les temps changent, et donc du coup on invite aussi à se prendre en charge soi-même et à quitter cette posture d'enfant pour devenir adulte. Bon. Et quelque part, anti-compétence pour avoir un poste à responsabilité, c'est-à-dire trop s'investir, être trop brillant, ne pas tenir sa langue, bon. Est-ce que c'était vraiment le bon poste pour vous ? À croire que non, et vous en avez pris conscience, mais c'est ni bien ni mal. C'est juste que votre place était ailleurs. Voilà. Trop s'investir, est-ce que... Moi, j'interrogerais et votre capacité à déléguer. Vous voyez ? Est-ce qu'on n'attendait pas au sein de ce poste quelqu'un capable de déléguer pour pouvoir... Voilà, quelqu'un capable de déléguer pour pouvoir valoriser les autres personnes de l'équipe. Vous voyez ? Donc, il y a une question de raisonnement. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est juste... Identifier son moule, c'est certainement ça le plus difficile, j'en conviens, c'est très difficile, d'où l'avantage de se faire accompagner, voire de le créer soi-même, si on est un petit peu artiste. Voilà. Oui, ma question c'était, que répondre à un employeur une fois qu'on a déjà passé le cap de l'entretien, c'est-à-dire qu'on a été capable d'empathie, on a été capable de comprendre les attentes, de rassurer l'employeur, donc d'être compris, on est dans le poste, et à la fin on lui dit... Écoutez, justement, le fameux carré, vous avez bien rempli le carré au départ dans toutes les demandes qu'on avait à vous faire, mais finalement, vous êtes finalement un grand cercle qui entoure ce carré, et c'est trop pour ce poste. Donc du coup, non merci, on ne veut pas de vous. Que répondre en fin de contrat, par exemple, à des personnes qui vous font cette réponse-là ? C'est-à-dire, on est très content de vous, vous avez bien rempli vos missions, mais vous avez trop de compétences finalement pour ce poste-là, donc faites plus que ce que vous faites actuellement. Alors qu'on a besoin quand même d'un job et que celui-là nous convenait.
Moi, je ne peux pas répondre. On file le micro. Ce que je n'ai pas compris, c'est vous avez intégré l'entreprise, vous avez commencé à travailler, vous êtes beaucoup plus capable que ce qu'on vous demande, ou c'est, on est encore que dans le processus de recrutement ? À la fin du contrat, à la fin du CDD. Une fois le contrat bien en route depuis un an et demi, deux ans, voilà, c'est une fois que que le poste est bien en marche, que tout fonctionne très bien, oui. Enfin, très bien. Le processus ou un entretien annuel. Alors, je peux répondre. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin, c'est un vieux bouquin, c'est comme les DS dont je parlais tout à l'heure. C'est un bouquin, les pages sont jaunies, mais j'ai retenu une chose de ce bouquin-là, c'est tout ce que vous avez voulu savoir sur Harvard sans jamais oser le demander, je crois que c'est le titre, Mac Cormac. Et il dit la chose suivante, il dit dans un poste, il y a 70% qui est imposé par l'entreprise et il y a 30% qui est ce que vous pouvez apporter au service de l'entreprise. Si c'est pour une efficience professionnelle et que ça sert à l'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises où vous pourrez faire ça. Et moi, ça pourrait être un élément de réponse à ça. Donc, il y a des études qui ont été faites, qui sont vieilles. Et sauf que ce bouquin-là, je l'ai lu il y a 20 ans et j'étais dans les services RH. Donc, j'ai regardé. Enfin, moi, en plus, ça me plaisait bien. J'ai envie de faire ce que j'ai envie et ce que j'aime. Et donc, depuis 20 ans, j'arrive à placer au moins ces 30% dans les entreprises où je passe. Et je regarde ce que font les autres aussi. Donc, moi, je serais plutôt rassuré sur le principe. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. Il faut prouver que ça a une efficacité, en fait, dans le métier. Peut-être que ça peut être 40%, peut-être que ça peut être 5%, 50%. On a discuté, Gaëlle, elle disait, moi, je suis beaucoup plus que ce carré-là. Je suis un rond gigantesque et je peux apporter énormément. Et puis, en plus, quand je suis lancé, j'y mets toute mon énergie et j'y mets toute ma passion. Et je ne donne pas à moitié, je donne complètement. Donc l'entreprise, elle est gagnante. Donc après, c'est une histoire de compréhension et de l'intelligence des managers qui sont autour. Le faire peut-être petit à petit. Moi, ma stratégie, ça a été une stratégie petit à petit. Alors, je vous donne juste un exemple rapide. J'ai accompagné des cadres dans un grand cabinet et je crois à la force des intervenants. Qui viennent d'apporter une belle parole, une bonne parole, et qui mettent en mouvement, parce qu'on a entendu des choses qui nous donnent envie de bouger. Donc j'ai commencé à faire venir un intervenant par mois dans ce cabinet, c'est un cabinet d'accompagnement des cadres en recherche d'emploi. Et puis, comme ça marchait bien, j'en ai placé un deuxième, donc une deuxième intervention par mois. Et puis, comme ça passait toujours au niveau de l'entreprise, moi je me nourrissais chaque fois qu'il y avait un intervenant qui arrivait, j'en ai fait venir un troisième. Et là, l'entreprise est venue me voir en disant « Eric, t'as pas compris, on est dans un groupe américain, t'en fais trop pour les candidats, donc est-ce que t'as vraiment envie de rester dans l'entreprise ?» Et en fait, grâce à ces intervenants d'extérieur, en fait, il se passait vraiment des choses et ça mettait les cadres en mouvement dans leur recherche d'emploi, donc c'était très aidant. Et puis moi, en plus, je me cultivais au fur et à mesure, j'adorais ça. Et c'est ce moment-là où j'ai eu un déclic et j'ai décidé de créer mon entreprise. Et donc, vous disiez, tiens, créer son moule. Moi, j'ai créé mon moule. Créé son moule. Et aujourd'hui, en fait, je m'éclate dans mon travail. On va parler à compta, j'aime pas la compta. J'ai vu que dans les critères des HPI, ils aiment les chiffres. Et là, je me suis dit, je suis sûrement pas un... Donc, il a dit que c'était peut-être un HPI qui s'y aurait, qu'il fallait passer le test. Voilà. Donc, moi, j'ai très peur de passer le test, parce que si j'apprends que je suis pas un HPI, ça va être de l'anti-reconnaissance. C'est pas grave, ça. Bah, si. Voilà, donc c'était ça ma réponse. J'espère que ça y est. Peut-être vous voudrez partager des petites réflexions là, qui me sont venues à écouter à tout ça ce matin, et puis une petite question aussi que je pose. Pour revenir sur cet aspect, est-ce qu'il y a un move ou pas? Est-ce qu'il faut y rentrer ou pas? Ma propre expérience, qui me vaut plus que vaut l'expérience d'une personne, me dit que... l'entreprise attend, notamment de la part de ses cadres, je dirais un certain état d'esprit, des comportements, il y a des codes sociaux qu'il est de bon ton de respecter et d'appliquer. C'est pas facile d'être cadre, d'être manager et de le rester. Si on refuse complètement ces codes et ces attentes.
Il faut donc, de gré ou de force, de toute manière, rentrer quelque part dans un moule, dans un cadre. Comme il a été dit tout à l'heure, on est tous des moutons à cinq pattes, HPI ou non. Et pour moi, la vraie question est de savoir, d'abord, où est le cadre ? Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. C'est des choses qu'on apprend, je dirais, avec l'expérience et au fil des claques qu'on peut se prendre. Donc, où est le cadre ? Qu'est-ce qu'on attend ? Et au-delà de ça, qu'est-ce que moi, je dois laisser de côté pour rentrer dans ce cadre ? Et quel est le coût pour moi ? Et ça, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Faut-il encore se connaître ? Faut-il encore savoir qu'on est HPI ? Faut-il encore comprendre ce que ça recouvre et ce que ça implique ? Je pense que tout est question de coût émotionnel à rentrer dans ce cadre. Et c'est là où je fais le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le burn-out. S'adapter, oui, je pense que c'est nécessaire. Il ne faut pas penser que l'entreprise s'adaptera à nous. Je pense que c'est illusoire, clairement. Mais se suradapter, non. Parce que ça fait le lit du burn-out dont on parlait, tout à l'heure. Une question maintenant, comment peut-on, en tant que candidat, appréhender lors des séries d'entretiens si l'effort qu'il nous faudra faire pour rentrer dans le cadre est à notre portée, si on en a les moyens ou pas. Parce que ça, dans ma pratique, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à évaluer a priori. Je m'en suis aperçue a posteriori et honnêtement, j'aurais préféré pouvoir le faire plus vite. Alors, je trouve très pertinent ce que tu dis sur le fait que l'entreprise ne va pas forcément s'adapter. Dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais j'ai trouvé qu'il y avait trois temps. Un temps de bienveillance, enfin des demandeurs d'emploi HPI, un temps de bienveillance et de confiance. Après un deuxième temps où j'explique le pourquoi du formatage et le contenu et la forme du formatage, c'est-à-dire la présentation en deux minutes rassurante, les questions d'entretien, la tenue, parce qu'une chemise blanche, oui, quelquefois on dit, mais il faut en plus qu'elle soit repassée. Enfin, quelquefois, c'est un chemin à se formater, il y a beaucoup de résistance. Et dans un troisième temps, que la personne soit à l'aise dans ce formatage. Ce n'est pas évident. Alors moi, je sais que j'ai eu de la chance, quand j'étais jeune cadre, d'être accompagnée par Michael Page, qui faisait le travail à ma place et pour me vendre chez le client et qui me disait mais ce serait bien que vous soyez en tailleur mais pas jaune, d'accord. Voilà, par exemple. Alors comment peut-on en tant que candidat évaluer si les efforts seront trop grands ou pas? Je pense, et moi j'ai bénéficié d'un outplacement assez long à un moment donné. Une grande partie du travail au début, c'était que je recevais de la consultante, c'est arriver à définir quel métier ou quel environnement j'avais envie, quelles compétences j'avais envie de mettre en place, en œuvre, quel type d'équipe, quelle taille d'entreprise. Et souvent, quand on est au chômage, il y a un traumatisme, l'environnement, entourage, la famille et tout, demande à ce qu'il y ait un retour rapide. Et je rejoins Gaël sur le fait que le temps qu'on met à être au chômage au début, c'est un temps important de deuil, d'allègement, je reprends une photo de moi actuellement et je regarde comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes valeurs, comment je me sens dans le sens de ce que j'ai envie de faire. Et certains s'orientent complètement vers d'autres métiers, ou certains ont besoin de regarder s'ils ne veulent pas s'orienter ailleurs pour après se dire non, ça ce sera pas viable, ça non, 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 et se recentrer après. Et bien savoir ce qu'on veut, poser suffisamment de questions en entretien, peut-être aller demander à discuter avec la direction générale, demander à discuter avec plus de personnes. Je pense que c'est nécessaire, mais on n'ose pas tous le faire. Une autre question. Bonjour. Moi j'avais une question, alors le terme va peut-être paraître un petit peu fort. C'est sur ce qu'on peut appeler un petit peu d'exploitation. Je reviens sur le débat qui a été évoqué tout à l'heure. Il est vrai que dans le milieu industriel, c'est toujours difficile de s'épanouir.
dans le sens où on va essayer de mettre en avant nos compétences. Alors, quand je dis mettre en avant, c'est pas en cherchant une reconnaissance, mais c'est de pouvoir enfin les exprimer. Elles vont être, pour le coup, reconnues, parfois exploitées. Et ce que l'on nous dit, c'est savoir se réorienter, donc sortir un petit peu du cadre, enfin, se construire notre propre cadre. Mais quand on n'a pas la facilité à pouvoir mettre en place nos compétences, c'est-à-dire que on ne peut pas se définir HPI, ce n'est pas accepté le nom des HPI. Et donc, comment on peut valoriser nos compétences quand finalement on n'a pas les diplômes requis et qu'on a une hiérarchie qui, justement, se sent un petit peu menacée. Et j'ai une deuxième question qui est un petit peu en dehors de tout ça. C'est on met en place des structures pour accompagner les enfants. On veut développer un petit peu l'accompagnement à l'école, etc. Mais ce sont des enfants qui deviennent adultes. Et dans les entreprises, on n'a pas ces structures-là. Donc, tout à l'heure, vous aviez évoqué la discrimination. Moi, je la ressens aussi, quelque part, en tant qu'HPI, parce qu'on me dit qu'il faut s'adapter, etc. Mais finalement, le HPI, on dit, c'est une discrimination vis-à-vis des autres, mais quelque part, on ne reconnaît pas non plus la compétence du HPI. Donc, moi, je le vois aussi un petit peu comme une discrimination à ce niveau-là. Je vais vous répondre sur peut-être sur la valorisation des compétences. Je crois que c'était votre question. Alors, ce que je peux partager en fait, c'est les différents dispositifs ressources humaines qui existent et dont vous pouvez vous saisir. Vous parliez tout à l'heure du diplôme que vous n'aviez pas. Il existe par exemple la VE, la validation des acquis d'expérience, qui peut vous permettre effectivement d'acquérir un diplôme à partir d'une expérience professionnelle en général de 3 ans. Donc ça, c'est un outil qui est quand même intéressant et que, effectivement, tout à chacun peut se saisir puisque ça reste une démarche individuelle. Ensuite, vous avez effectivement tout ce qui est droit à la formation. Alors, je ne connais pas le milieu industriel, je ne sais pas dans quelle mesure ça se décline chez vous. Tout ce qui est droit individuel à la formation. Après, vous avez toujours dans le domaine de la formation quelque chose qui se développe beaucoup maintenant, c'est les MOOC, que vous connaissez peut-être. Et qui, alors c'est de la formation en fait en ligne qui est mise à disposition par les écoles, les universités, c'est gratuit. Vous pouvez effectivement vous connecter chez vous quand vous voulez. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de, on parlait tout à l'heure, de se nourrir en dehors du poste tout en restant sur le poste. Ça peut être un moyen effectivement de se nourrir intellectuellement. Il y a une plateforme nationale sur les MOOC disponibles. Votre ami Google va vous renseigner sur la question. Vous dites. Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est pour avoir effectivement pour vous et pour donner à voir à votre structure, c'est aussi faire un bilan de compétences. Ça peut être l'occasion d'élargir effectivement, de faire une photographie à instant T de votre parcours professionnel. Donc, c'est pour vous. En général, effectivement, ça vous fait effectivement quelque chose de. Un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer, que vous pouvez partager avec votre employeur et votre manager. Donc ça peut être une base pour faire connaître vos compétences et puis accéder peut-être à d'autres postes via la mobilité. Moi j'ai un petit truc à dire sur les bilans de compétences. Il faut vraiment bien choisir le prestataire parce que pour avoir vu des bilans de compétences qui ne servent à rien, parce qu'un HPI a tellement de personnalité, tellement de puissance et tout, que quelquefois le prestataire se ratatine et dit oui, oui, vous savez bien ce que vous voulez. Donc, juste pour l'accompagnement du HPI, on parle, les enfants sont. C'est très fléché, ou enfin ceux qui connaissent, c'est assez fléché. L'accompagnement, en revanche, pour les adultes, justement, dans le cadre de la préparation de cette table ronde, on s'est dit que. Ça serait bien de continuer, c'est aussi l'objet de MELSA, je pense, c'est de continuer les travaux au-delà de la conférence annuelle. De ne pas s'arrêter là, on va se quitter, puis chacun repart dans ses postures, ou pas, ou en ayant un peu bougé, puis ça va s'arrêter là. Donc nous, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire après. Donc toute cette matière riche qui a été dite ce matin, et entre burn-out et recherche de travail, enfin, bon, il y a des liens, en fait, il y a des passerelles, tout ça, c'est pas dans des mondes isolés. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait proposer, il allait être proposé, ou il pourrait être proposé à validation, la proposition d'un groupe de travail, d'un accompagnement avec des gens, avec des personnes HPI en recherche d'emploi ou en emploi heureux, et qui pourrait venir échanger aussi avec des recruteurs, des managers,
des accompagnateurs à la recherche d'emploi de type ERIC ou d'autres structures pour effectivement continuer le discours et que l'imprégnation, si j'ose dire, la connaissance réciproque puisse progresser aussi. Et vous voyez, même moi qui suis là, je dirais presque chez moi aujourd'hui, quand je parlais de ma mal comprise d'adaptation, c'est que moi, pour moi, l'adaptation, c'est acquis. Dans adaptation, il fallait comprendre suradaptation. Quand je dis ça fait 47 ans que je m'adapte et je ne veux plus, en fait, ce que je veux, donc là je traduis pour vous, c'est ce que je voulais dire, c'était de la suradaptation. Parce que dans la plupart du temps, ça fait partie de l'acquis, je ne le cite pas l'adaptation, ça fait partie de la posture. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Donc si vous m'avez mal compris sur mon propos de l'adaptation, la suradaptation à un moment, c'est ça où j'ai dit non, mais l'adaptation est nécessaire, incontournable et nécessaire. Et alors, pour l'année à venir, une des choses aussi, c'est que sur Nantes, il doit y avoir à peu près entre 6 000 et 10 000 HPI, puisque c'est 2% de la population. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait aussi des liens entre et une solidarité entre les personnes qui sont HPI en poste et qui puissent être ponctuellement une aide. Donc, il y a un repérage à faire des personnes qui sont dans tel et tel et tel lieu. Et dans l'accompagnement ou dans le recrutement, des personnes qui sont de plus en plus sensibilisées ou qui sont convaincues. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une cartographie, des accompagnements. Une dernière question. Moi, je voudrais juste profiter, voilà, parce que après, on laissera la question, mais à déjà apporter des réponses à ce qui a été souligné. Tout à l'heure, on a posé la question, est-ce que j'indique HPI sur mon CV ? Je ne sais plus si le monsieur est là ou si il est parti. Je sais pas. Moi, je vais me dire, je sais pas, mais comme est-ce que je mets ma photo sur mon CV ou pas ? Est-ce que je mets que j'aime la gastronomie française ou pas ? Est-ce que je mets que j'aime la tarte ? J'en sais rien. Par contre, la question, c'est pourquoi je dis j'en sais rien ? Parce que soit ça passe, soit ça passe pas. Hein ? C'est comme la photo. Vous mettez votre photo, ça va rappeler l'ex de la recruteuse, elle va vous dégager tout de suite. Ou alors ça va lui rappeler, elle va trouver que vous avez une bonne tête et puis du coup vous allez avoir un effet de ce qu'on appelle de... elle va vous recruter parce que vous avez une bonne tête, voilà. Ou elle va vous contacter en tout cas. Donc HPI, soit ça vous ouvre des portes, soit ça vous enferme. Voilà, au même titre que plein d'autres choses sur un CV, j'entends. Rappelez-vous que l'objectif d'un CV, c'est de décrocher un entretien. Voilà. Après, il y a une stratégie dans mon CV, un CV, un poste. Enfin, voilà. Après, c'est tous les refrains des accompagnateurs à l'emploi, mais ça, vous trouverez facilement. Pour vous répondre à la personne sur le côté, qui a effectivement fait très justement ce lien entre jusqu'où supporter, à quel prix les codes de l'entreprise, et si on y refuse les codes, ben, on sort du moule et puis on peut avoir très très chaud. Et ça peut devenir menaçant pour la suite de sa présence, non seulement de la carrière, mais en plus de la présence dans l'entreprise. Je suis entièrement d'accord avec ça, et c'est même un point, j'allais dire, sur lequel il faut s'arrêter. Vous savez, on entend souvent parler des risques psychosociaux, donc on est là-dedans, hein, clairement. C'est-à-dire que ça peut faire partie des raisons pour lesquelles on pète un câble. On n'a pas besoin d'être HPI pour péter un câble. Hein. Tout le monde peut péter un câble. C'est d'ailleurs le titre d'un livre. Donc, tenir oui jusqu'où ? Bon, pour vous faire une réponse pratique, parce qu'on manque de ça, souvent, hein, dans la vie quotidienne, la réponse pratique, c'est se sentir soi-même. Enfin, pas comme ça, hein, mais sentir ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Qu'est-ce qui nous dit notre cœur ? Nous, on, au sein de notre cabinet, ça nous arrive pour certains postes d'évaluer ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Dans certaines fonctions, c'est toujours important de savoir quel rapport a la personne avec ses propres émotions. D'accord ? La gestion de l'émotion, elle est hyper importante aussi pour certaines fonctions et pour adapter son comportement dans l'entreprise, qu'on soit HPI ou non. Donc sur comment mesurer, si je reformule, comment mesurer l'effort qu'on va avoir à faire pour appréhender et mesurer voilà, jusqu'où je vais m'adapter, est-ce que ça va être contre nature ? La question c'est, certes, comme disait Gaude, on peut vraiment savoir ce qu'on veut, faire ce travail préparatoire, on peut aussi aller discuter, chose dont je doute, hein, de la disponibilité des dirigeants de l'entreprise ou
voilà, mais tant mieux si ça le fait, mais après on a toujours ce problème de temps qui est cruel. Mais surtout, il y a une question d'intuition et de feeling. Et alors, a fortiori, de ce que je sais maintenant des HPI, le HPI est un hypersensible, avec une émotivité très forte. Bon sang de bois, mais profitez-en. Voilà. Si vous ressentez que ça le fait ou que ça ne le fait pas, alignez-vous là-dessus, faites-vous confiance, clairement. Entre sur le papier, ce qu'il y a au niveau mental, et puis ce qu'on ressent, parfois, on peut faire confiance à ses intuitions. Voilà, il y a des moments donnés, bon. Évidemment, je ne vous dis pas de faire que ça, mais on est adulte, donc il y a une question d'équilibre. Mais ça, ça peut être une astuce, voilà, concrète, c'est savoir, est-ce que ça va le faire, ben, est-ce que je le sens déjà. Merci à tous. Dernière question. Mais Pierre Guillaume. Il a dit non. Il a dit non, monsieur. Et nous, on est normatif. Hein. Alors, la norme, c'est non. On a dit non. C'est non. C'est vraiment non. Bon, alors, le mot de la fin. Merci à tous. Je pense qu'il y a vraiment matière à ce qu'on continue, qu'on se revoie et qu'on ait une clause d'envoyure pour discuter de tout ça. Et puis je voulais dire qu'il y a plein de trucs positifs. Il y a des entreprises aujourd'hui qui s'appellent les entreprises dites libérées, qui sont des merveilleuses pour les HPI. Il y a des entreprises, les stratégies RSE sont des nids incroyables pour les HPI. Enfin voilà, profitez de toutes ces nouvelles opportunités en réaction à la crise et qui sont des endroits où vous pouvez vous trouver bien.